Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs partout dans le monde. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin ma dhakarahu adh-dhakirun al-abrar wa salli ala Muhammadin ma ta'aqaba al-layl wa an-nahar wa salli ala Muhammadin wa ala al-muhajirin wa al-ansar wa salli ala Muhammadin wa ala sahabatihi al-akhyar wa salli ala Muhammadin wa ala azwajihi al-athhar. Amma ba'du, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, quelles que soient vos races, quels que soient vos cheminements, quels que soient vos pays, quelles que soient vos origines, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Je continue, inshallah, sur le troisième rappel autour de cette question où il y a un diagnostic malheureusement mauvais de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est la relation qu'on appelle le pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un vrai pacte. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé dans le Coran mithaqan ghalidha, le pacte lourd, le pacte épais, le pacte puissant qui lie l'homme à sa femme. Donc on a essayé d'apprivoiser lors de la première intervention les questions. Donc pourquoi on se marie? Il y a 10 milliards de réponses à la question pourquoi on se marie. Toutes mènent vers les problèmes et vers le diagnostic qu'on est en train de repérer aujourd'hui. Et une seule mène vers le paradis sur terre et mène vers une stabilité du couple. On a tout essayé, on a vécu l'amour, on a chanté l'amour, on a écouté l'amour, on s'est pollué le cœur et le cerveau et la raison par ces histoires d'amour. Et on n'arrive pas à vivre cet amour. Et vos chanteurs, nos chanteurs, que Dieu nous pardonne, les chanteurs du monde, que Dieu pardonne le monde, tous ceux que le monde a pris comme exemple et comme idole, aujourd'hui, ils ne vivent pas l'amour, les amis. Vous entendez leur histoire, divorce, 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 problème, attaquer, attaquer, tout ça, que des problèmes. Donc nous, on a, lors de la deuxième intervention, essayé de répondre à la question. Donc on vit pour vivre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala avec notre femme ou notre mari. C'est quand on répond à la question « Pourquoi je me marie ?» ce type de réponse avec S, parce qu'on peut répondre de plusieurs manières, mais l'idée c'est vraiment vivre les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette partie de la vie qui s'appelle le mariage, engendrer une progéniture qui va changer le cours de son histoire, de l'histoire de ses parents, de l'histoire de son village, de l'histoire du monde, de toutes les histoires sur lesquels elle va intervenir. Et vous savez qu'il y a, alhamdoulilah, des grandes personnalités de l'histoire humaine qui ont été construites dans ce type de couple. Et aujourd'hui, ça manque beaucoup, malheureusement, parce que les couples sont complètement à côté de la plaque, et les couples ont pensé, à cause de tous les venins que les médias, que toutes ces formes de médias crachent dans le monde aujourd'hui, parce que vous savez que les médias ont démissionné de l'éducation. Les parents ont démissionné malheureusement, et tout le monde a démissionné, ce qui produit aujourd'hui des générations complètement à côté de la plaque, et je ne veux pas être pessimiste. Donc le mariage, tout le monde se plaint aujourd'hui de son couple, les divorces, ça atteint des summums et des summums, la relation est mauvaise, on a répondu à la question aujourd'hui, et j'espère, Inch'Allah, qu'elle va aider pas mal de monde. Et je ne suis pas le premier à parler de ça, nous savons pas en parler de ça, moi je suis qu'un petite miette qui essaie d'apporter. Mohammed Sassan nous a dit Belliru anni walau aya, et j'essaie de transmettre, Inch'Allah, une toute petite partie, j'espère. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle nous serve tous, le but étant avec une sincérité maximale. Je demande à Allah qui est la sincérité, Inch'Allah, dans ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'appliquer ces réponses, ces diagnostics, ces réponses, ces questions qu'on se pose et les réponses qu'on essaie de mettre en place, Inch'Allah, pour ces questions, pour vivre un couple heureux. Et croyez-moi qu'on peut vivre dans un couple heureux où il y a l'amour, le mahabba, le vrai, pas celle qu'on entend dans les chansons, le mawadda, le rahma, l'entraide, l'amour, la vraie mahabba, la vraie miséricorde dans le couple, la vraie solidarité dans le couple, la vraie admiration, et cet amour qui se renouvelle, qui se renouvelle, qui se renouvelle. Nous avons tous entendu parler de deux hadiths qu'on répète sans arrêt. Mais malheureusement, dans ce monde où on répète des choses comme des perroquets sans savoir ce que ça veut dire, il y a eu des dérives totales. Donc on dit... قال محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي مجامع الكلم إن زدي إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو كما قال
Nabiouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce hadith, on le connaît tous, on le répète tous, si quelqu'un qui a une bonne religion, qui a un bon comportement, vient demander votre fille en mariage, acceptez, donnez-la lui, sinon il y aura une grande façade dont, alors, si vous ne le faites pas, il y aura vraiment des gros façades, des gros problèmes, des grosses déviations dont on atteint si vous ne le faites pas. Alors, ça c'est le premier. Et le deuxième qu'on répète tous aussi, c'est فَالْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكْ. Donc, on se marie avec la femme pour quatre raisons, vous les connaissez, son argent, sa beauté, sa noblesse, et la quatrième, c'est sa religion. فَالْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكْ. Fait tout pour avoir celle qui a la religion, celle qui a dit. Donc voilà, deux hadiths, sachant qu'il y a des milliers de hadiths de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a bien cerné cette problématique de mariage et qui nous a expliqué, qui nous a donné un plateau d'or et d'amour tout ce qu'il faut essayer de mettre en place pour que cette relation soit une belle relation sous le couvercle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la couverture plutôt, vous comprenez ce que j'essaie de dire, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est deux hadiths. Donc tardouna dinahu wa khuluquhu. Ok, ben l'autre jour, je l'ai vu, là, c'est une femme qui parle, je l'ai vu dans un cadre associatif en plus, on travaillait pour Raza dans une association, moi je l'ai repéré, j'ai vu une belle barbe, mashallah, subhanallah, 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 mashallah, quelle belle barbe, et j'ai vu vraiment qu'il dit, à chaque seconde, il dit subhanallah, à chaque mot, il dit, la hawla wa la quwata illa billah, et mon cœur est tombé amoureux, et on s'est lancé, on s'est marié. 3-6 mois après, la première nuit, j'ai vu un boucher. C'était un boucher. Relation intime, il m'a tué. Il ne sait pas de tact, rien. Un vrai prédateur, un vrai. Au lui qui dit, فَالْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكْ. J'ai entendu dire qu'elle fait le fajr. Elle fait le fajr à vous-même, son heure. On se moulait à 7h moins le quart en France. Donc lui, elle se réveille à 5h pour le faire. J'entendais beaucoup de choses sur elle. Je me suis marié. Elle dort, je me suis rendu compte qu'elle dort jusqu'à midi. Elle pute partout, elle est mauvaise, elle ne se réveille pas très tôt, elle ne m'aide pas, elle est lourde, elle passe tout son temps à me critiquer. 3-6 mois après, on est dans les guerres, et elle est enceinte, comment je vais faire? Voilà deux cas miniaturisés, deux cas où vous croyez que je suis un peu ironique, mais les amis, c'est des histoires que vous avez entendues, c'est des choses qu'on a vues autour de nous. On nous a tellement parlé de ces choses-là, on les a vécues, on les a entendues chez nos chers et nos ulama, tellement de cas, voilà, qui n'arrête pas. Mais j'ai essayé d'être un peu d'ironiser sur la chose, même si l'heure est grave, et on doit vraiment essayer de commencer à comprendre, Inch'Allah, que notre salut passe par cette paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui se traduit sur ce couple qui souffre tellement aujourd'hui. Et si on a vraiment la bonne intention et la bonne sincérité, et si on arrête d'idéaliser, on va y arriver, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc deux cas où je me suis marié, ok, les premiers jours chacun montait, parfois il y a des couples où chacun montait à l'autre, donc je te mens, tu me mens, on s'aime bien, on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on passe notre temps à poster des choses sur l'internet, on est dans la da'wa et tout ça, et 3-6 mois après, chacun délaisse tout, même il commence lui à délaisser sa prière, elle commence à délaisser sa prière, chacun commence à délaisser les choses qui font le bonheur de la maison et le bonheur de la vie en couple, et il commence lui à toucher l'alcool, elle commence elle à sortir à droite et à gauche, et peut-être elle aussi commence à revivre toutes ces histoires qu'elle vivait ou qu'il vivait avant son mariage, et tout ça réapparaît dans la vie du couple, et ça détruit le couple. Voilà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا